Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Oui, Fabrice Yemeni, nutritionniste. Oui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation qui se fête le 16 octobre, oui, nous organisons pour toute cette semaine, justement jusqu'au 15, nous permettons aux lecteurs de Happiness Potential de poser leurs doléances, de poser leurs questions. Et le cabinet Happiness Potential se fait la peine de répondre. Donc, parmi l'une de ces questions, c'est une lectrice, justement, dont le parent souffre d'arthrose, justement, avec des douleurs jusqu'aux pieds. Donc, il s'agit maintenant de savoir, ok, de comprendre déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. L'arthrose concerne surtout le squelette et tout ce qui entoure le squelette. La dégradation du squelette, des tissus durs et du tissu semi-dur. Le dur, c'est l'os. Le semi-dur, c'est quoi? C'est les tendons, c'est les ligaments. Les tendons, le ligament et également le cartilage. Donc, c'est une maladie de la pollution parce qu'il y a des déchets. Les déchets qui sont transportés par le sang vont se déposer au niveau des articulations et ça ronge l'os, ça ronge les tendons, ça ronge les ligaments et ça ronge aussi les cartilages. Donc, lorsqu'il y a douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un signal. Il y a un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un, premier élément, une réduction du cartilage. Parce que le cartilage, c'est un tissu spongieux, un peu comme une éponge, qui se situe entre deux articulations, deux parties osseuses, et qui sert en fait de tampon, justement. Et lorsque ce tampon-là est réduit par un mauvais usage ou bien par une mauvaise alimentation, le cartilage disparaît. Je prends l'exemple des substances qui réduisent le cartilage, tels que trop de sel, tels que trop d'alcool. Ça réduit aussi la quantité d'eau, le liquide qui baigne autour du cartilage là. Et une alimentation qui ne contient pas assez de cartilage. C'est pour ça que dans la réponse que vous donnez à la fin de la vidéo, je vous fais des recommandations spécifiques. Donc, l'os peut ne pas avoir assez de calcium, justement. Ou bien le calcium qui circule peut ne pas justement être associé au magnésium pour le rendre soluble, ou bien la vitamine D pour permettre à ce que le calcium se fixe sur l'os. Ça peut être aussi une autre cause du problème en deuxième partie. Ou bien on peut dire aussi les tendons et les ligaments ont commencé à se détériorer. Donc il y a une perte générale de minéraux chez la personne. Et puis les tendons, les ligaments s'affaiblissent. Et cet affaiblissement-là va aussi avec une perte de cartilage et les os qui commencent maintenant à se frotter. Et là, ça fait mal. Donc là, quand il y a douleur, c'est ça. Ça peut être justement une cause de la douleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc dans ce cas? Il faut, après cette destruction, il faut maintenant aider le corps et cette partie du corps à se reconstruire. Donc, avec quoi? Avec les nutriments qui viennent de l'univers et qui intègrent le système du corps à travers la digestion et qui va maintenant entrer dans le sang. Et le sang va maintenant transporter l'oxygène et ces différents nutriments tels que le calcium, le magnésium, la vitamine C, la silice et qui va maintenant fortifier le cartilage, les ligaments, les tendons et même l'os. Donc, je recommande dans ces cas d'utiliser des aliments anti-inflammatoires, notamment le curcuma. Faire des boissons avec beaucoup de gingembre, de curcuma. Ou bien faire aussi des smoothies, des mélanges de jus de fruits. Et des mélanges de jus de fruits à base d'ananas, surtout qui contient le milieu de l'ananas qui est la tige, et puis le gingembre. Donc, ananas-gingembre, en termes de boissons, qui peut être consommé en demi-litre pour une cure de 2 semaines minimum. Chaque jour, demi-litre de curcuma avec l'ananas. Donc, ça va être un tiers d'ananas qui contient la tige avec une racine de gingembre chaque jour.
vous ajoutez un peu d'eau, ça va faire dans les 10 minutes que vous allez boire. Et puis, au moment du repas, vous ajoutez à votre repas une cuillère à café de curcuma que vous mélangez. Donc, ça va avoir un très fort pouvoir antioxydant. Vous prenez aussi, vous ajoutez aussi, un litre d'eau avec 2 citrons pressés. Ça va aider à donner plus de vitamines, c'est plus de structure à vos os, au cartilage également. Donc, voilà déjà ce que je peux donner comme astuce. Mais aussi en bonus, je recommande de consommer donc du cartilage. Donc, allez chez votre boucher, vous demandez du cartilage. Donc, ne prenez pas la peau de viande, la chair. Non, demandez majoritairement du cartilage. Ça va vous aider dans la reconstruction de ce cartilage-là. Donc, voilà des conseils simples qui vont aider à réduire la douleur parce qu'il y aura un peu plus d'eau. Ça va éteindre l'inflammation. Il y aura des aliments anti-inflammatoires tels que l'ananas, tels que le curcuma, tels que le gingembre qui vont éteindre le feu. Donc, ça, c'est une réponse nutrition du cabinet Happiness Potential. Je vous souhaite donc la vitalité permanente.